Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. À la une cette semaine, Chantal Joanneau, le grand débat est faussé au profit d'une opération de communication. Le principe d'un débat public, ce n'est pas de poser des questions aux Français, c'est les Français qui vous posent des questions. C'est eux qui s'expriment, c'est eux qui disent ce qui leur tient à cœur, a-t-elle souligné. Source Orange, 25 janvier. Personne n'est dupe de la tactique de Macron. Substituer à une vraie consultation populaire un exercice de communication soigneusement cadré avec des thèmes autorisés et d'autres absolument tabous. Or, la démocratie consiste à pouvoir parler de tout. C'est la raison pour laquelle les Gilets jaunes ont répondu à cette farce du grand débat en lançant leur propre plateforme de discussion, intitulé de façon on ne peut plus claire, Le vrai débat. Fidèle à sa mission de rétablir la démocratie, l'UPR a également accueilli des gilets jaunes pour un débat totalement libre sur sa chaîne YouTube. Le grand débat national est faussé, a dit Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du grand débat. France, gilets jaunes. Ingrid Levavasseur ne regrette pas d'avoir voté Macron à la présidentielle. Si j'avais pu avoir un vote blanc qui soit comptabilisé, j'aurais voté blanc, a indiqué vendredi 25 janvier Ingrid Levavasseur, à la tête de la future liste Gilets jaunes pour les européennes. Source Orange, 25 janvier. Les Gilets jaunes ne sont, pour leur grande majorité, pas dupe de la manœuvre politique que représente la création de cette liste. Levavasseur, comme d'autres candidats, a des atomes crochus avec le macronisme, ce qui est totalement antinomique avec le départ de Macron réclamé à cors et à cris autour des ronds-points. D'ailleurs, électoralement, qui sera le premier bénéficiaire de l'existence de cette liste? Macron a dit: les vraies réformes, elles vont avec les contraintes, les enfants. Lors d'un débat citoyen, le chef de l'État a souligné la difficulté, selon lui, à mener des réformes profondes. Mais changer le système, ce n'est pas simplement dire « Je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi je suis en colère, mais je n'ai pas de truc à proposer », a-t-il averti. Il faut proposer de vraies réformes. Mais les vraies réformes, elles vont avec les contraintes, les enfants, a-t-il ensuite lancé. Et de conclure, parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance? C'est pas open bar, le bar, c'est le nôtre. Source, France Info, 25 janvier. Voilà qui traduit bien la pensée présidentielle. Les Français ne sont pas des gens avec qui Macron entend discuter d'égal à égal. Ce sont des enfants que papa gronde quand ils dépassent les bornes. Comment un débat démocratique peut-il se dérouler dans des conditions pareilles? Édouard Philippe a dit: si on fait le RIC, on entre dans une mécanique qui est terrible. Participant à son tour vendredi à une réunion du Grand Débat National à Sartrouville, dans les Yvelines, Édouard Philippe a notamment donné son avis personnel sur le référendum d'initiative citoyenne, l'une des revendications phares des Gilets jaunes. Le RIC, ça me hérisse, a fait savoir le Premier ministre. Source, le JDD, 26 janvier. Le référendum d'initiative citoyenne, qui figure depuis longtemps au programme politique de l'UPR, sous le nom de référendum d'initiative populaire, est un instrument parfaitement démocratique. Il est symptomatique que le gouvernement en ait peur. En effet,
Si l'URIC était mis en œuvre, le carcan des contraintes européennes apparaîtrait rapidement au grand public et amènerait naturellement sur le devant de la scène la question d'un référendum sur le Frexit, chose que honnissent nos dirigeants actuels. Des gilets jaunes déroulent des banderoles pour railler les foulards rouges. Lors de la manifestation des foulards rouges, des femmes se réclamant des gilets jaunes se sont immiscées dans le cortège, avec pour but de discréditer et de caricaturer, avec humour, le message des partisans du gouvernement. Source RT France, 25 janvier. Vers 15h30, le mouvement des foulards rouges, limité à Paris, regroupait 1 000 à 2 500 personnes au plus, nettement moins que la manifestation de l'UPR du 1er mai 2018, soit un nombre de l'ordre de 70 à 100 fois inférieur à la mobilisation des Gilets jaunes, à laquelle on a encore assisté hier dans toute la France, 123 000 manifestants selon le nombre jaune. Banderole caricaturant le mouvement des foulards rouges. Le MEDEF partage le ras-le-bol fiscal des Gilets jaunes. Le numéro 2 de l'organisation patronale estime aussi que le MEDEF est, d'une certaine manière, à l'origine du mouvement. Source, l'Express, l'Expansion, 22 janvier. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que le MEDEF cherche à récupérer la grogne populaire à son profit. Et si on parlait plutôt des 40 milliards d'euros du CICE versés aux grandes entreprises sans aucun bénéfice sur l'emploi? Comment le sujet des Gilets jaunes s'est invité dans un débat à l'ONU? En plein débat sur la crise politique vénézuélienne, un diplomate russe a lancé ironiquement: que penseriez-vous si la Russie demandait à discuter au Conseil de sécurité de la situation en France et des gilets jaunes qui sont descendus dans les rues par milliers encore ce week-end? Avant toutefois d'ajouter, nous n'avons pas l'intention de saisir le Conseil de sécurité de cette situation. Source BFM TV, 27 janvier. Cette remarque devrait faire réfléchir les élites occidentales qui s'asseyent régulièrement sur la charte des Nations Unies, et notamment sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. France. La très instructive publication des comptes 2017 des partis politiques par la CNCCFP. L'examen minutieux des comptes 2017 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques révèle que l'UPR est le plus grand parti français indépendant des banques et de l'État, et probablement le troisième par le nombre d'adhérents. Source UPR, 25 janvier. Les Chinois de Casil mettent en vente leur participation à l'aéroport de Toulouse. Sans perspective de pouvoir franchir la barre de la majorité du capital, Casil se serait résolu à vendre ses 49,9% des parts achetées en décembre 2014. Ils n'ont toutefois pas pu acquérir la majorité absolue, puisque l'État a souhaité conserver 10,01% du capital. Bercy ne serait désormais plus vendeur en raison des remous provoqués par le management chinois. Dans le viseur notamment, la politique de distribution massive de dividendes qui a mis le feu à la gouvernance entre Casil Europe et les actionnaires locaux, le CCI, la métropole, la région et le département, qui contrôlent, eux, 40% du capital. Source, La Dépêche, 22 janvier. La société Casil a puisé dans les réserves de l'aéroport de Toulouse depuis qu'elle est entrée au capital. Elle veut maintenant revendre ses parts en espérant une large plus-value. Cette attitude est plus celle d'un prédateur que celle d'un investisseur. Monsieur Macron, qui a présidé à cette privatisation quand il était ministre de l'économie, porte une lourde responsabilité dans cette affaire. Le gouvernement français redoute une cyberattaque aux effets catastrophiques. Pour la direction générale de l'ANSSI,
La perspective du sabotage ou la destruction d'une infrastructure critique française semble inéluctable. Pour la ministre des Armées, Florence Parly, la cyberguerre a bel et bien commencé. Il n'est pas question d'être naïf. Elle a révélé à cette occasion une tentative de cyberattaque attribuée à un groupe proche du service de renseignement russe FSB. Source 01net.com, 23 janvier. Derrière ce ton alarmiste, on devine une certaine paranoïa anti-russe. Il est évidemment important de se protéger contre les intrusions russes, mais on aurait aimé une réaction au moins similaire à l'espionnage avéré et à grande échelle des services américains révélés par Snowden. Quelle est la stratégie de souveraineté numérique du ministère des Armées, qui utilise Windows et recourt à des entreprises américaines comme Palantir pour le traitement des données? Fin de l'anonymat sur le web, les limites du projet d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet de l'hygiène démocratique du statut de l'information. Afin de lui redonner ses lettres de noblesse, le président de la République a estimé qu'il s'agissait d'aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat, en faisant mention de processus où on sait distinguer le vrai du faux et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent les choses. Source BFM TV, 25 janvier. L'anonymat est essentiel pour que certaines choses soient sues. L'interdire revient à autoriser que des pressions puissent s'exercer sur celui qui a une vérité à partager afin qu'il la taise. On peut par exemple penser au CRS qui s'était exprimé sur la chaîne Demoskratos de YouTube, dénonçant les consignes reçues de la part du ministère de l'Intérieur. La suppression de l'anonymat menace donc bien la démocratie plutôt qu'elle ne la renforce, comme voudrait nous le faire croire le prince Macron. Accueil tiède pour François Legault. L'accueil réservé à François Legault et à la délégation québécoise par la presse française les 21 et 22 janvier est modeste. Si la plupart des grands quotidiens français passent sous silence la visite du Premier ministre du Québec, d'ailleurs, j'en ai même pas entendu parler. Ce premier voyage outre-mer a tout de même retenu l'attention de plusieurs publications en ligne. Source, le Journal de Québec, 22 janvier. Les relations avec le Québec devraient être une priorité pour de la France. L'UPR propose de relancer une grande politique en direction des pays de la francophonie. François Legault, Premier ministre du Québec avec Emmanuel Macron. Vosges. 19 postes supprimés à la direction des finances publiques. La loi de finances prévoit la suppression de 19 postes à la DDFIP, Direction départementale des finances publiques, des Vosges en 2019, ce qui porte le nombre de postes en moins à 906 depuis 2002, soit un tiers des effectifs. Source, Vosges Matin, 22 janvier. Ce sont les grandes orientations de politiques économiques, dictées par la Commission européenne, qui demandaient la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. C'était dans les GOP 2016-2017. Sans surprise, en déléguant une grande partie de ses responsabilités au secteur privé, quitte à le surcharger de paperasse, cela permet au gouvernement de supprimer des postes dans le service public. Jouy-sur-Morin, des salariés licenciés menacent de mettre le feu à leurs précieux stocks. Depuis le 16 janvier dernier, à l'annonce de la liquidation judiciaire de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de papier sécurisé pour billets de banque, la direction ne donne aucun signe de vie. Elle avait pourtant bénéficié de 250 millions d'euros d'argent public pour sa restructuration, avant d'être cédée l'an dernier à un groupe germano-suisse qui ne cherche qu'à la liquider. 240 emplois sont en jeu. Source, France 3. 24 janvier. Revenons un cran en arrière. Cette usine est une usine de premier plan. Non seulement elle est fortement liée à l'histoire de France, puisqu'elle a fabriqué les assignats sous la Révolution française, mais elle produit également du papier pour billets de banque
pour 120 pays dans le monde. Comment donc a-t-on pu laisser un tel fleuron de l'industrie française partir en des mains étrangères? La réponse est simple, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, qui interdit tout contrôle des flux de capitaux par Bercy. Accusé de violence, un député devient membre d'une commission en lutte contre des violences. Le député Mjid El Gharab, ex La République En Marche, devenu membre du mouvement radical, 34 ans, avait été mis en examen pour violence volontaire avec armes, après avoir asséné deux coups de casque à son collègue socialiste Boris Faure, lors d'une discussion qui a dégénéré le 30 août 2017. Source RT France, 27 janvier. Face à de tels comportements, qui s'étonne encore du dégoût des Français envers la politique? Les 80 km/h, une connerie d'Edouard Philippe, dit Emmanuel Macron. Je n'y suis pour rien dans cette affaire! C'est le Premier ministre! Et c'était une connerie! D'ailleurs, cette mesure n'était pas dans mon programme! C'est justifié, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, qui a affirmé publiquement le même jour, à Bourg-en-Péage, dans la Drôme, que c'était courageux de faire ça! Mais il a insinué que la mesure décriée pourrait être assouplie. Source Le Parisien, 26 janvier. Le sujet des 80 km/h avait créé une réprobation d'envergure nationale et a sans doute eu sa contribution dans la naissance du mouvement des Gilets jaunes. Face à un sujet aussi sensible sur lequel l'exécutif n'a rien voulu céder, imagine-t-on que le président ait pu être en désaccord? C'est donc se moquer du monde et d'une lâcheté sans nom que de se désolidariser ainsi de son Premier ministre en le rendant responsable de cette mesure. Union européenne, Aix-la-Chapelle. Aachen en allemand. Giuseppe Conte siège à l'ONU pour l'Allemagne. Paris et Berlin se moquent de nous. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, n'a pas apprécié la détermination de Paris et Berlin pour que cette dernière obtienne un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, estimant que les deux pays qui se sont entretenus mardi 22 janvier à Aix-la-Chapelle se moquent des Italiens. Source Sputnik, 25 janvier. L'UPR ne cesse de souligner que le prétendu couple franco-allemand n'est qu'un mythe qui aveugle les élites françaises, sert les intérêts allemands et irrite nos partenaires européens. Cessons au plus vite cette mascarade qui sert de prétexte à nos élites politiques pour trahir notre souveraineté. Et ici, c'est donc le président du Conseil italien qui considère que le traité franco-allemand, c'est une mise à l'écart de ces deux pays par rapport au reste de l'Union européenne, mais il y a aussi l'ancien président tchèque qui avait dit la même chose, comme je l'avais dit la semaine dernière dans la revue de presse. Macron démission! Merkel doit partir! Des huées pour les deux dirigeants à Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et Angela Merkel, réunis à Aix-la-Chapelle pour signer le nouveau traité franco-allemand, ont été accueillis mardi matin par les huées de quelques dizaines de personnes, dont certaines vêtues de gilets jaunes. Le président français et la chancelière allemande se sont vite engouffrés dans la prestigieuse mairie d'Aix-la-Chapelle. Les manifestants, munis de sifflets et de vuvuzela, ont crié « Merkel muss weg !» Merkel doit partir. Et Macron démission. Source, Paris Match, 22 janvier. Voici tout ce que méritent ces deux dirigeants en rupture profonde avec leur opinion publique. Revoir ici l'analyse de François Asselineau de la trahison macronienne que représente la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Gilets jaunes allemands à Aix-la-Chapelle réclamant le départ de Merkel. Et sur sa veste, c'est écrit Wenn Unrecht Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Quand l'injustice devient le droit, la résistance devient un devoir. C'est de Bertolt Brecht qui est un écrivain est-allemand. Et en dessous c'est écrit
Merkel muss weg. Merkel doit partir. Il y a d'ailleurs aussi une autre phrase de Bertolt Brecht qui est assez amusante, c'est le gouvernement n'étant pas satisfait du peuple, décida d'en changer. Aix-la-Chapelle, la propagande est hantée du service public. Pierre Haski, journaliste et salarié du service public, se permet des amalgames, des mensonges et des omissions coupables concernant le traité d'Aix-la-Chapelle. François Asselineau pointe dans cette vidéo les approximations scandaleuses et les propos erronés diffusés sur France Inter le 21 janvier 2019, source UPR 22 janvier. Union européenne. Bruxelles va mettre son veto au rapprochement entre Alstom et Siemens. La Commission européenne va bloquer le rapprochement entre Alstom et Siemens, destiné à créer un champion ferroviaire franco-allemand. Sa décision est motivée par le refus de Siemens de proposer des concessions supplémentaires concernant sa technologie de train à grande vitesse, a rapporté Reuters, soulignant qu'il existait également des inquiétudes du régulateur européen au sujet du marché de la signalisation et du matériel roulant. Source Les Échos, 18 janvier. Contrairement à ce que claironne la propagande européiste, la Commission européenne ne cherche pas à créer des champions industriels européens, mais à les casser. En l'occurrence, cela donne un peu de répit au TGV, que Macron avait scandaleusement cédé à l'Allemagne. Mais la Commission n'aurait sans doute rien trouvé à redire si le TGV avait été racheté par une entreprise américaine. Elle n'avait en effet pas bronché lors du rachat de la branche énergie d'Alstom par l'américain General Electric. La zone euro va-t-elle être rachetée par l'étranger? François Asselineau présente au public une note très intéressante et très préoccupante que vient de publier la banque française Natixis. Cette note montre que l'euro, loin de renforcer les pays d'Europe, est en train de les obliger à vendre leur patrimoine aux Américains et aux Chinois. Source UPR, 21 janvier. Le monde a encore besoin de l'OTAN, selon la ministre allemande de la Défense. Pour Ursula von der Leyen, l'Alliance Atlantique n'est pas qu'une question de base militaire ni de troupes. Il s'agit de défendre l'ordre mondial. Source New York Times, 18 janvier, en anglais. Cet ordre mondial est précisément en train de s'écrouler. Madame von der Leyen feint de l'ignorer pour mieux pousser l'avantage de l'Allemagne en Europe, notamment par l'intermédiaire du traité d'Aix-la-Chapelle. Au contraire, il est de l'intérêt de la France de quitter l'OTAN pour éviter de perdre sa souveraineté et de mener des guerres illégales. À noter que ceci fait partie des grandes différences entre l'UPR de François Asselineau et les Patriotes de Florian Philippot, car l'UPR veut depuis 2007 sortir de l'euro et de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, tandis que Philippot et les Patriotes, eux, ne veulent quitter que le commandement intégré, c'est-à-dire en revenir à la situation avant Sarkozy. Et donc, il veut toujours rester dans l'OTAN, et donc sous les diktats de la géopolitique de Washington, où certains pays sont des alliés héréditaires, comme l'Arabie Saoudite ou Israël, et d'autres pays sont des ennemis héréditaires, comme la Russie. Monde! Washington reconnaît immédiatement le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. Le président du Parlement vénézuélien, Juan Guaido, principal opposant à Nicolas Maduro, s'est proclamé mercredi chef de l'État par intérim et a été immédiatement reconnu par Donald Trump, alors que plusieurs centaines de milliers de personnes manifestaient à Caracas. Maduro a rompu en retour les relations diplomatiques avec les États-Unis. Source Ouest de France, 23 janvier. Washington et le groupe de Lima, dont la Colombie et le Brésil, appuient sans réserve la tentative de coup d'État de Juan Guaido. L'Union européenne appelle à de nouvelles élections, alors que Maduro a été élu en 2018
avec une participation certes historiquement faible, mais de 67% des voix. Sa légitimité est en tout cas très largement supérieure à celle de Juan Guaido, largement inconnu des Vénézuéliens et devenu chef de l'opposition par pur hasard. La palme de l'hypocrisie revient à Macron, qui salue le courage de ceux qui marchent pour la liberté au Venezuela, et à Le Drian qui condamne la répression des manifestants au Venezuela, pendant que les gilets jaunes français se font matraquer la gueule. Juan Guaido, le 23 janvier 2019. D'autant plus que, entre-temps, donc hier en fait, la Commission européenne a reconnu Juan Guaido comme président officiel du Venezuela. Donc toujours le suivisme de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à sa géopolitique. Pékin a rattrapé son retard en volant les États-Unis. En pleine guerre commerciale, le renseignement américain accuse la Chine d'avoir volé la propriété intellectuelle américaine. Source, Tribune de Genève, 23 janvier. Venant de Washington, qui espionne allègrement la planète entière, y compris ses alliés, et qui utilise son droit extraterritorial pour s'emparer d'entreprises étrangères stratégiques, cette accusation pourrait prêter à rire. Les États-Unis, préoccupés par les restrictions indiennes contre le commerce numérique de Walmart et d'Amazon. Le gouvernement de Narendra Modi a décidé que les opérateurs étrangers comme Walmart et Amazon devront se comporter en intermédiaires neutres, sans privilégier certains producteurs ni intervenir sur les prix, et qui devront indiquer le nom du producteur et le moyen de le contacter. Source, The Economic Times, 24 janvier, en anglais. En conséquence, il sera possible de contourner les intermédiaires et de contacter directement les producteurs. Walmart et Amazon ne pourront donc pas faire la loi ni détruire les emplois comme ils le font impunément en Europe. Journaliste arrêté aux États-Unis, l'Iran invoque les droits des Noirs. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a accusé les États-Unis de violer les droits civils des hommes et des femmes noirs après l'arrestation dans ce pays d'une journaliste américano-iranienne. Source, Le Figaro, 21 janvier. Tout comme en France, les journalistes n'ont pas la vie rose. La bonne nouvelle, c'est que la journaliste Marzieh Hashemi, travaillant à Presse TV, a été libérée après 10 jours de détention. Comme sur l'affaire des Gilets jaunes, l'Iran n'hésite pas à retourner contre l'Occident des accusations moralisatrices en s'ingérant dans ses affaires intérieures. L'armée de l'air iranienne se dit prête à détruire Israël. Dans un contexte de crainte d'escalade des tensions, quelques heures après la destruction d'installations iraniennes par des frappes aériennes israéliennes qui auraient fait des victimes dans l'armée syrienne, le chef de l'armée de l'air iranienne a déclaré lundi matin que l'armée de son pays était prête à s'engager dans une guerre pour la disparition d'Israël. Source, The Times of Israel, 21 janvier. Les propos du gouvernement iranien sont hautement condamnables parce que complètement irresponsables dans un Proche-Orient qui est devenu une poudrière. Qu'Israël viole régulièrement le droit international en raison de son occupation illégale des territoires palestiniens et de son action en Syrie ne doit pas autoriser pour autant un État à menacer de se faire justice lui-même. Les Chinois n'ont jamais fait aussi peu d'enfants. Seulement 15 millions de bébés sont nés en Chine l'an dernier. C'est un nombre jamais vu depuis la grande famine de l'ère Mao. La fin de la politique de l'enfant unique n'a pas permis d'inverser la tendance. Bien au contraire, la chute des naissances s'accélère en Chine, comme en témoignent les derniers chiffres publiés ce lundi à Pékin. Source, Les Échos, 21 janvier. Diverses. Cybersécurité, 772 millions d'adresses mail piratées, découvertes dans un fichier. C'est une faille d'une ampleur inédite qui vient d'être découverte jeudi. Un expert australien
en sécurité informatique a mis la main sur une base de données ne contenant pas moins de 772 millions d'adresses mail piratées, ainsi que 21 millions de mots de passe. Source, Les Échos, 18 janvier. Après Yahoo et ses 3 milliards d'utilisateurs touchés, il s'agit d'une des plus grosses fuites de données de l'histoire. Désormais, 26 milliardaires détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. En 2017, ils étaient au nombre de 43, dénonce l'ONG Oxfam, qui souligne que par ailleurs, le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008. Source, Les Échos, 20 janvier. Voilà où mène l'idéologie ultralibérale actuelle, qui veut détruire toutes les frontières, mettre en concurrence directe tous les peuples de la Terre, imposer avec le FMI et la Banque mondiale des plans de restructuration aux pays en développement qui ne font que les plonger davantage dans la misère et l'esclavage moderne. Sortir de l'Union européenne, c'est mettre à mal un pilier fondamental de cette idéologie. Et déjà en France, revenir à un modèle plus égalitaire et plus juste, qui correspond à ce que veulent les Français. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Adios, amigos, et bonne chance dans la life, les enfants! Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!